Alors c'est votre belle-sœur qui était le quatrième indice. L'élégante Frigide Barjot qui défend la famille avec de bien belles chansons, ma foi. Voilà. Ça, c'est des chansons de mère de famille, vous voyez. Fais-moi l'amour avec deux doigts. C'est bien de défendre les catholiques comme ça. Ça, c'était avant qu'elle se trouve. Qu'est-ce qui lui est arrivé avec votre belle-sœur? Je sais pas, elle est piquée. Non, mais elle voulait être une star, je crois. Elle voulait être une star. Bah oui, c'est mieux que le chemin de Luca Magnotta pour arriver à la reconnaissance. Elle va peut-être finir comme ça, faites gaffe. Oui, finalement, elle a mieux fait de faire ça que Luca. Ouais. Non, vous êtes en train d'accuser votre belle-sœur d'opportunisme alors. Bah, c'est une évidence, non, pour tout le monde, je crois. Bon, paf, ça c'est mais dit. Attendez, c'est honnête, c'est pas parce que les personnes avec lesquelles on est le plus honnête, c'est sa famille proche, c'est la femme de son frère. On voilà, se dit les choses. Bah oui. On se dit les choses. Vous êtes comme elle contre le mariage pour tous? Ah non, pas du tout. Moi, je suis catholique aussi, mais simplement, j'ai lu, contrairement à elle, l'Évangile. Et Jésus dit un truc très simple. Il dit il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Or là, il est question du mariage civil. Donc, il s'agit de César et pas de Dieu. Parfait, c'est une bonne réponse de Carl Zero.